Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur la sélection dans MuseScore. Je vais vous présenter ici une nouveauté de MuseScore 2 qui sont les filtres de sélection. En effet, si je sélectionne ma première mesure, à laquelle est associée une nuance, des paroles et une liaison de phrasée, je vois que lorsque je clique dans ma mesure, ces quatre éléments sont sélectionnés. Si je souhaite faire une sélection plus fine, je vais dans Affichage, Filtre de sélection ou bien le raccourci clavier F6 sous Windows. Et j'ai accès aux différents éléments qui composent ma partition. Si je souhaite sélectionner simplement les notes, et non plus les notes, les paroles, les nuances et les liaisons, je décoche les éléments que je ne veux pas sélectionner. Donc pas de nuances, pas de paroles et pas de liaison de phrasé. Si je vérifie avec un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, je vois que seules mes notes ont bien été sélectionnées. Alors que si j'avais coché par exemple mes notes et les paroles, CTRL-C, CTRL-V, les deux éléments, notes, paroles, ont bien été sélectionnés. Voilà pour une première présentation des filtres de sélection. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous avez des questions. À bientôt!